l'humanité a atteint aujourd'hui un niveau de technologie, de développement scientifique assez important qui peut lui permettre de nourrir plus de 12 milliards de personnes. Mais c'est parce qu'on ne le veut pas. L'humanité, on voyage en supersonique. Dans l'humanité, on opère même au laser. Mais pourquoi alors, bon sang, on n'est pas capable de fournir suffisamment de nourriture à ceux qui en ont besoin? C'est une question d'option politique. Et le choix politique incohérent, ça va être aussi donc de dire, au lieu de cultiver pour nourrir ces pauvres paysans, on veut cultiver pour alimenter des stations d'essence. C'est-à-dire pour alimenter le luxe de Dupont et continuer à affaiblir le ventre de Samba. C'est quelle politique cela? C'est des incohérences de politique. C'est des options à la limite inhumaines qu'il faudra donc essayer de voir comment changer dans des dynamiques comme celles que 11-11 est en train de dégager. Et alors, pour trouver des terres à cultiver pour produire du fioul, naturellement, l'Afrique apparaissait comme la réserve foncière de beaucoup de pays du Nord. Parce qu'il n'y a plus suffisamment de terres dans certains pays. Il faut donc aller en Afrique pour trouver des réserves foncières et faire croire aux Africains que vos terres ne sont pas suffisamment exploitées. Alors, comme vous n'avez pas le moyen de les exploiter, laissez les multinationales, laissez les privés qui ont beaucoup d'argent dans leur poche de venir investir pour les exploiter, mais bien sûr à votre détriment, parce qu'ils ne vont pas produire pour que vous mangiez, ils vont produire pour nourrir des machines, des voitures de luxe et des stations de carburant. Voilà aussi une incohérence. Et on verra que dans beaucoup de pays en Afrique, le phénomène va être constaté. Pratiquement tous les pays africains sont touchés par le phénomène de l'accaparement des terres. Au Soudan, où il y a les Chinois qui sont massivement présents. Si vous suivez ce qui se passe au Soudan, vous voyez comment la Chine est fortement présente pour s'emparer des terres. Au Tchad, au Sénégal, en Éthiopie, au Libéria, au Nigeria, au Mali, etc. Pratiquement, il n'y a pas un seul pays africain. Au Congo RDC, il n'y a pas donc un seul pays africain qui n'a pas été frappé par ce phénomène. Et pendant ce temps, c'est donc l'agriculture familiale qui est la sève qui nourrit les populations rurales de l'Afrique qui est menacée. Nous avons souvent dit aussi que l'accaparement se fait aussi avec l'accaparement des eaux. Ça, c'était des zones où les populations du village s'approvisionnaient en eau avec des puits traditionnels. Tous ces puits ont été enterrés par les personnes qui sont venues prendre les terres. Donc, on nous prend les terres, on nous empêche d'avoir de l'eau potable, on s'accapare des terres et de l'eau, alors qu'est-ce que devient la vie? Dans ces conditions, bien sûr, la vie devient impossible. Et quand la vie devient impossible, c'est quoi? Quand la vie devient impossible dans ces conditions, c'est la famine qui s'accroît. C'est donc le droit à l'alimentation qui est bafoué. Et des images comme ces images ne devraient plus exister dans le monde du 21e siècle, où il y a suffisamment de moyens pour produire de quoi manger. Des moyens technologiques, des moyens scientifiques, et des moyens humains capables d'éradiquer la faim par une production suffisante orientée vers le droit à l'alimentation. Ça, c'est des images quand même qui doivent faire mal à toutes les personnes éprises de paix et de justice. Que de voir des enfants qui n'ont pas demandé à l'aide et qui sont aujourd'hui victimes de l'incohérence des politiques, qui sont victimes des options mercantiles d'accaparement des dirigeants du monde, et des finances publiques du monde, et des multinationales, cela doit avoir fait quand même honte à tout le monde.